Bien sur Solidaire d'abord. Alors bonjour. c'est vrai que Bonjour. on est délocalisé aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui on n'est pas à Versailles, hein, mais on se trouve chez Michel. Donc on a délocalisé, on n'est pas à Fréquence 7 et donc pour plein de raisons on a été obligé de délocaliser l'émission. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler du 8 mars, bien sûr, puisque c'est demain, journée internationale du droit des femmes. On va parler, tu as quelque chose à dire à un auditeur hein, Oui, oui, euh, oui. qui, qui, qui nous a interpellés. C'était très bien d'ailleurs qu'il y ait ce relais de cet auditeur. Et puis, on va parler de la marchandisation de l'hôpital et on va parler de la marchandisation de l'école. Absolument. Voilà, alors on va démarrer, mais d'abord, donc, on voulait faire un petit point sur le 8 mars, donc cette journée internationale des droits des femmes, et demain, il se passera plein de choses. D'abord, il y a ce film Debout les femmes, qui sera projeté à la Bobine, à deux horaires, hein, à 14h et à 20h. Ce film a été produit par à la fois Ruffin et Gilles Perret. La bobine, c'est Place de Lérette. Oui, et la bobine, c'est Place de l'Irep, tu as raison. Et donc, ce film est très intéressant. Moi, je l'ai vu un petit peu en avant-première. Ça parle en fait, des métiers du lien. Hein, c'est-à-dire toutes ces femmes, la plupart du temps ce sont des femmes, qui s'occupent à la fois à l'école, par exemple, pour aider les enfants handicapés, mais évidemment les personnes un peu âgées, comment on fait pour être aide à domicile, par exemple. Et il y a évidemment tout un débat autour de comment on appelle ces femmes-là, parce qu'il y en a certains qui les appellent encore, à notre époque, des femmes de ménage. Et je crois que, bon, c'est pas tout à fait le bon terme, voilà. Oui, et puis c'est un film qui traite aussi justement des luttes incessantes pour gagner quelques droits, et à commencer peut-être par tenter de gagner un salaire un peu plus conséquent par rapport justement aux travaux essentiels, puisque, comme c'est bien dit d'ailleurs par le réalisateur, ce sont des métiers du lien et donc ce sont des emplois qui sont complètement indispensables dans nos sociétés pour qu'elles fonctionnent et qui pourtant sont rendus complètement invisibles, quoi. Oui. Oui, elles sont indispensables. Ouais. Je crois que c'est ça qui est très important. Elles sont indispensables. Elles permettent, disons, la dignité aux familles et aux gens âgés. Hein. Elles sont le seul lien. Elles représentent toute la vie, toute l'espérance par rapport à une personne âgée. Elles sont très peu reconnues au niveau financier. Hein. Au niveau financier, c'est des personnes qui gagnent 700 euros à peine, peut-être par mois. Voilà, 700, 800 il y a un euros scandale net. là-dessus. Alors, c'est vrai que cette journée du 8 mars fera suite à ce qui s'est passé samedi au Benin aussi, parce qu'il y a eu un après-midi à partir de 17h où il y avait déjà à la fois des débats, une table sur laquelle on vendait des livres féministes. Et ensuite, il y a eu un défilé au flambeau dans la ville à 19h samedi. Et là, justement, dans ce défilé, il y avait une affiche qui ne laissait pas indifférent, c'est 80% des femmes sont au SMIC. Et surtout, il y a beaucoup de femmes qui subissent aussi des temps partiels. Elles ne Ouais. le choisissent pas. Quand elles sont au SMIC, Voilà. c'est bien, hein. Elles subissent aussi un temps partiel parce que, bah, de fait, il est encore normal. Il est considéré comme étant normal, justement, de devoir s'occuper des enfants, etc. Et du coup, très souvent, bah, elles sont obligées de travailler à temps partiel, donc ce qui ne facilite pas, évidemment, leur existence. Alors pour le 8 mars,
première projection à 14h de ce film Debout les femmes, et à peine la projection sera-t-elle finie, qu'on a rendez-vous à 15h40 ou... C'est ça. À la médiathèque. Parce que, alors pourquoi cet horaire de 15h40? Pourquoi 15h40? Parce qu'il a été estimé qu'à partir de cet horaire-là, finalement, les femmes travaillaient, alors évidemment dans le service privé, enfin dans les emplois privés, travaillaient gratuitement. Voilà. Donc, c'est parce qu'elles sont moins payées que les hommes. C'est ça, à responsabilité égale, oui. Vis-à-vis des hommes, eh bien, elles sont rémunérées à peu près dans 20% de moins. Donc, une fois reconverties en temps, ça signifie qu'effectivement, à partir de 15h40, elles ne sont plus rémunérées. Elles font du bénévolat. Quoi. D'accord, oui. Ce qui veut dire que, pour faire écho au titre, à Debout les femmes, eh bien, à partir de 15h40, elles pourraient arrêter de travailler, quoi, parce qu'elles ne sont pas rémunérées. Alors bon, on a plusieurs choses qui étaient prévues dans cette émission. C'est vrai qu'on ne peut pas passer à côté de cet élément très fort. Justement, c'est les femmes, c'est la moitié du ciel, comme il y a un livre qui en parlait. Hein. La moitié de la société, ce sont des femmes. Et elles ont... alors, justement, il y avait une pancarte très, très... comment dire, qui plaçait bien le débat samedi. Il y avait... Pour certaines extrémistes, les femmes seraient des hommes comme les autres. Quelque chose comme ça. Enfin, c'est certainement pas des hommes comme les autres, parce que ça serait connoté sur le fait que ce sont des hommes. Non, des humains comme les autres. Voilà. Bon, voilà. Alors, c'est vrai qu'on avait d'autres sujets qui étaient prévus, qui étaient en chantier, et surtout l'interpellation par un auditeur, Alain. Oui, on a eu un auditeur qui nous a envoyé un mail, et je voulais bien sûr le remercier. C'était pour la traduction que j'avais apportée sur la locution latine « primum non nocere ». Voilà, je vais dire que la traduction de cette locution latine signifiait « prendre soin », mais il y a en fait une autre interprétation, sans doute plus vraie, hein, qui est « ne pas nuire ». Ne pas nuire. Oui, ne pas nuire. En fait, c'est primum, vraiment, non nocere. En premier, d'abord, ne pas nuire. Ne pas. Alors, je voulais le remercier parce qu'il a tout à fait raison. Mais il existerait, j'ai fouillé un petit peu, en plus sur Wikipédia, hein, c'est-à-dire il me dit aller voir sur Wikipédia, et donc je suis allé voir. Il existerait deux traditions parallèles d'éthique médicale du primum non nocere. C'est sans doute pour ça que le professeur Luc Montagnier, disons, se permettait de prendre soin. Donc il existerait deux traditions d'éthique médicale, l'une qui est celle de ne pas nuire, dont on vient de parler, et l'autre qui est d'aider le patient et de minimiser le mal en des termes modernes, c'est-à-dire d'éviter une prise de risque défavorable, inutile ou injustifiée. Voilà. Alors, le professeur Montagnier, je vous rappelle peut-être rapidement qui c'est, hein, pour ceux qui ont peut-être, éventuellement ne le sauraient pas. Il a, avec Françoise Barré-Sinoussi, reçu le prix Nobel de médecine pour la découverte en 83 du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, le sida. Ouais. Voilà. Ouais. Alors oui, surtout, moi, ce qui me semblait intéressant, c'est que ça ouvre un autre débat sur lequel tu voulais apporter des précisions, c'est-à-dire que ce soir, l'émission est aussi très axée sur la société marchandise. Hein, et là, tu voulais nous parler de la marchandisation de l'hôpital. Oui, je me suis dit, ce qui est important, de toute façon, que ce soit prendre soin ou ne pas nuire, ce qui est important, c'est surtout que l'on ait un hôpital qui soit un véritable service public, c'est-à-dire au service de tous. Hein. Et je suis allé... rencontrer, disons, par l'intermédiaire d'Internet, l'économiste Gaël Giraud, écoutez, qui est un prêtre jésuite, qui est un économiste spécialiste en économie mathématique, ancien directeur de l'Agence française de développement, et qui nous rappelle « Il faut sortir de la marchandisation notre hôpital public ». C'est important. Alors, il nous rappelle, hein, qu'en 20 ans, l'hôpital public a fermé 100 000 lits.
ce qui est énorme, hein, en 20 ans, 100 000 lits, et qu'on a même continué pendant la période Covid. Oui, 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 absolument. Voilà. 17 000 depuis que Macron est là. Donc, en gros, quand tu fais le calcul, 17 000 depuis que Macron est là, il est là depuis 5 ans. 5 fois 365 jours, ça fait 1700, 1800. Donc, ça veut dire 10 lits par jour fermés. Voilà, c'est énorme. Alors, Gaël Giraud, lui, il propose des solutions. Hein, il propose de mettre fin à la tarification à l'acte à l'hôpital. Parce qu'il consiste, cet acte de tarification, il consiste à considérer le patient comme une marchandise. C'est-à-dire... C'est là que ça a commencé, quand ils ont fait ça. C'était un truc qui s'est passé dans les années 2000, ça, non? Cette tarification. À peu près dans les années 2000. Hein, et cette marchandisation, disons, entraîne de maximiser la rentabilité. Voilà, c'est ça. Et ceci a conduit, eh ben, malheureusement, à une maltraitance des malades, hein, mais aussi à une maltraitance du personnel. Parce que les gens étaient des soignants. Hein, ils sont là pour apporter des soins, pour prendre soin, pour ne pas nuire. Et pas pour faire de la gestion et de la rentabilité d'un lieu de soins. Oui, c'est ça. Alors la solution, Gaël Giraud en apporte, hein, il dit qu'il faut tout simplement que les crédits publics accordés aux hôpitaux dépendent de la qualité, de la quantité des soins accordés par les hôpitaux à la population qu'ils servent. Il faut remettre aussi le médecin généraliste au centre du système de manière à ce que lui seul soit le premier interlocuteur et que de chaque patient et qu'il soit en capacité, disons, de poser un diagnostic global, synthétique sur le patient qu'il connaît et ainsi de l'orienter, ce médecin généraliste, vers les meilleurs spécialistes. Et il y aura ainsi des conséquences immédiates, entre autres du désengorgement des urgences. Oui, mais alors le problème, c'est que il y a le numerus clausus qui fait que les médecins généralistes ne sont plus formés, ou en tout cas pas en quantité suffisante. Alors, Macron est revenu sur le numerus clausus, mais il n'a pas donné les moyens de faire autrement. C'est-à-dire que on est, comme toujours, avec Macron, dans un double langage. À la fois, il nous dit « on arrête le numerus clausus », donc ça veut dire « numerus clausus » pour ceux qui ne savent pas vraiment, hein, ça veut dire qu'il y a un nombre clos pour le nombre de médecins chaque année qui sont formés, donc voilà, mais on a arrêté ça, donc maintenant c'est plus beaucoup plus ouvert, mais les facs qui ont été privatisées, presque, pas privatisées, mais chacune indépendante au moment où Pécresse était ministre de l'Éducation, parce qu'elle a été ça, et c'est elle qui, par rapport aux facs, avait fait cette réforme qui fait que maintenant les facs sont indépendantes et donc leur budget ne leur permet pas d'ouvrir des postes supplémentaires. Donc, et puis, elle est, bon, comme toujours, les libéraux, ils nous expliquent qu'il faut arrêter, supprimer des postes de fonctionnaires. Donc, de toute façon, c'est pas avec Pécresse que ça va s'améliorer. Hein, on ne peut pas gérer, disons, le service public avec des lois, disons, de rentabilité. Je crois, oui. Voilà, c'est du bon sens. Hein. Que ce soit la culture, que ce soit le soin, c'est du service public. Moi, je me souviens, j'avais un prof, disons, qui nous prenait l'exemple de la poste. Hein, lorsqu'on met un timbre poste, hein, qu'on envoie sa lettre à 15 km ou qu'on l'envoie à 200 km ou à 500 km, on paye le même prix. C'est ça le service public. Hein. Ouais, le service public, il est hors de loi mathématique et de loi de rentabilité. Ce que tu dis, c'est comme les trains, etc. Et à un moment, on a été complètement dans autre chose avec cette société de petits comptables, hein, puisque on est finalement dans une société de petits comptables qui fait que, effectivement, on se retrouve là avec des choses qui, où ils nous disent oh, attention, ça c'est pas possible. Et d'ailleurs, en aberration, moi j'ai lu, et je pense que c'est vrai, hein, qu'il y a tellement de gens qui ont été embauchés dans l'hôpital pour faire la gestion, que finalement, il n'y a pas eu d'économies financières réelles qui ont été faites. Il n'y en a pas tant que ça. On a déplacé, en fait. Ouais. Hein, on a embauché des gestionnaires. Hein, et on a, ce qui paraît complètement fou, hein, on est dans le soin et on a moins de soignants. Ouais, hein, et on a plus de gestionnaires qui n'ont rien à faire, finalement. Alors, c'est la même histoire comptable qui se passe avec l'école. Exactement, on retrouve absolument la même logique dans l'éducation nationale, en tout cas dans moins ce que je peux connaître y étant moi-même, à savoir donc dans les établissements secondaires. Quand la logique comptable domine justement la logique humaine,
eh bien, ça provoque justement des dégâts considérables. Et pour, avant même de parler d'éducation, pour revenir sur le manque de personnel soignant et de médecins, ça passe donc par justement la formation, l'éducation. Or, il faudra qu'on m'explique comment on peut dire bah, je vais mettre un terme en quelque sorte à un nombre restreint de médecins et en même temps créer un nouveau poste baccalauréat qui s'appelle Parcoursup, qui est fondamentalement élitiste. Et qui permet justement de mettre en application ce qui est promu depuis un certain nombre d'années déjà, à savoir le manque d'ouverture de places dans les universités et bien évidemment dans les facs de médecine aussi. Oui, mais Voilà. tout ça, c'est une conséquence de ce qu'on nous a vendu et ce qu'on nous a mis en avant, par exemple en 2005, en nous parlant de concurrence libre et non faussée. Hein. C'est écrit, c'est presque comme liberté, égalité, fraternité, si tu veux, c'est un article de loi qu'il ne faut pas franchir. Donc, à partir du moment où on est dans une société où concurrence libre et non faussée, quand on va au bout de la logique, ça veut dire qu'on marchandise tout et que tout est comptable. Tout est comptable. Absolument. Et donc, du coup, même la dignité humaine, puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein, à propos de la Journée internationale des droits de la femme, la dignité humaine est reléguée au second plan. En fait, la marchandise domine, c'est ça, La domine priorité. l'humain. Et nous, on l'a vécu de très près la semaine dernière. Enfin, on l'a rendu visible, hein, cette chose-là de la semaine dernière. Puisque on a mis en avant justement les souffrances et les conditions de travail qui sont épouvantables de nos deux secrétaires du lycée, plus toute l'équipe administrative de l'intendance, qui dénonce un travail quasiment surhumain, parce que précisément là derrière, il y a cette espèce de volonté de faire des économies, et qui du coup... Pour faire des économies, ça devient une espèce de... Ça oblige à un surmenage accru. Et tout à l'heure, tu évoquais le fait que dans les hôpitaux, ce pourquoi on devrait être formé, c'est-à-dire le soin, on embauche de plus en plus de gestionnaires. Et ben nous, c'est pareil, c'est la même chose. En tant qu'enseignant, on nous attribue des tâches administratives, par exemple quand on est prof principal, qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Alors évidemment, on fait semblant de miroiter une petite prime qui, si on regarde de près, n'est absolument ne vaut rien et puis surtout dont on ne tiendra jamais compte, justement pour la retraite ou des choses comme ça. Mais surtout, c'est hors de nos compétences et ça bouffe, pardon de parler comme ça, mais ça prend tellement de temps que du coup, on en vient presque à reléguer au second plan l'éducation. C'est quand même fort, quoi, comme attitude. Et chez les secrétaires, chez lesquels elles sont aussi formées pour telle ou telle tâche, elles sont tellement soumises, en particulier au développement du numérique, que on en arrive mais à des absurdités le plus total. Et donc, bah, ça aboutit à des épuisements Alors, nerveux. pour revenir au concret, justement, enfin, moi je suis venu vous voir à Privas parce que bon, j'ai trouvé un truc absolument hallucinant, un truc que j'imaginais même pas une seconde. C'est-à-dire, je suis arrivé au lycée Vincent d'Indy à Privas et je me suis retrouvé avec, je ne sais pas combien il y avait, au moins 40 profs en grève, tous d'accord. Ils n'étaient pas en train de dire non, non, mais machin, je suis pas d'accord avec toi. Non, non, ils étaient tous d'accord. Vous avez fait une conférence de presse pour expliquer pourquoi vous étiez en train de faire une grève en solidarité avec le personnel administratif. J'étais là, je me cramponnais à la table pour dire est-ce que j'hallucine ou est-ce que c'est bien ça qui se passe? Parce que, alors pourquoi je fais tout ça? Parce que bah, il y a plein de gens qui vont dire que, bah, évidemment, on voit bien que les profs, depuis des années, justement, ne sont pas dans quelque chose qui a à voir avec une solidarité. C'est comme si c'était machin contre bidule, moi j'avance mes pions pour pouvoir avoir plus d'heures, etc. Ce qui était d'ailleurs un petit peu le cas aussi, puisque là, vous en avez parlé, entre autres, un peu off par rapport au micro, mais il y a tout le temps une concurrence, justement. C'est ça, mais sauf que cette concurrence, parce que dans une certaine mesure, chacun cherche à, entre guillemets, sauver ce qui lui appartient encore un peu pour éviter à son tour
de trop souffrir, bah, au bout d'un moment, quand tout le monde est concerné, du coup, ça recrée mécaniquement une solidarité. Et s'agissant donc de ce personnel, qui souvent est rendu invisible dans la société, en fait, on se rend compte que ce sont les personnes qui font tenir l'établissement. Parce que quand elles ne peuvent plus inscrire, par exemple, des élèves au baccalauréat, parce qu'elles sont soumises à des logiciels complètement absurdes, qui ne fonctionnent pas, et ou dont elles n'ont même pas, entre guillemets, la notice d'emploi, eh bien, ça retombe sur les familles, ça retombe évidemment sur les élèves, ça retombe sur les familles, mais ça nous retombe dessus aussi, quoi. Et du coup, à un moment donné, quand plus personne n'a de temps pour faire tout ce qui est demandé, ben ça ne peut plus fonctionner. C'est une société, en fait, qui crée des fractures, particulièrement dans les individus. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs, on nous impose des objectifs qui sont souvent très éloignés du métier que l'on souhaite exercer, c'est-à-dire soit enseignant, soit soignant, hein, et même dans d'autres métiers. C'est-à-dire les gens ont choisi un métier, ils peuvent en fait pas l'exercer comme ils le veulent, hein, mais ils ont des impératifs qui leur créent une rupture par rapport à ce qu'ils sont, parce qu'ils sont dans des mal-êtres, et c'est ainsi qu'arrivent les burn-out. Oui, c'est ça. De partout. Mais le mal-être dont tu parles, je crois qu'on l'a tous plus ou moins vécu à un moment ou à un autre, c'est-à-dire être obligé de faire telle chose en essayant de faire au moindre mal, quoi. On est au moindre mal. C'est terrible, quand même, cette société. Et puis en ayant les fesses en deux chaises, voilà, on peut le dire, parce qu'à la fois, on a cette relation, comme les enseignants avec les parents et les élèves, hein, ou le soignant avec son patient, et puis à la fois, son administration, à qui il doit rendre des tableaux épouvantables à remplir, qui lui font perdre beaucoup de temps, et qui, en fait, ne sont pas au cœur de son métier, pas du tout. Et si la personne a été éduquée souvent de manière très correcte, donc elle s'applique à faire autant pour l'administration que pour sa fonction le mieux possible. Et au bout d'un moment, il y a une rupture, parce qu'il faudrait qu'elle puisse, avaler. C'est comme si elle était à un banquet, qu'elle soit condamnée à avaler son repas en 10 minutes. Et au bout d'un moment, ça devient indécent. C'est plus possible. C'est ça. Et pour dire à quel point c'est cette espèce de logique comptable qui domine à peu près tout et qui, du coup, finalement, gouverne, c'est qu'à l'issue de la conférence de presse, à quelques-uns, nous sommes rendus à l'inspection d'académie avec nos revendications, hein, en espérant être reçus. Bon, on l'a été. On a été reçus donc, par l'inspecteur d'académie. On lui a expliqué nos revendications, les raisons pour lesquelles nous étions là. Et vous avez été écouté, donc. On a été écouté. Écouté pour de vrai ou entendu? Alors, je ne sais pas de quelle distinction tu fais. En tout cas, il entendait la mise en avant de l'humain qui souffrait. Mais il n'empêche que il a immédiatement répondu dans une logique comptable, hein, en nous expliquant qu'il existait un indicateur qui s'élevait à 7,24 et donc qui était construit sur des tas de paramètres qu'il ne nous a pas expliqués, et que du coup l'établissement et l'ensemble des établissements en Ardèche étaient plutôt bien dotés en personnel administratif. Et donc de fait, les seules propositions qu'il pouvait acter, c'était de rajouter des heures en plus, donc sur des personnes existantes déjà. Alors ça m'a mis un petit peu hors de moi, parce qu'on lui explique que les raisons pour lesquelles on était en grève et pour lesquelles on faisait une conférence de presse, c'était pour dénoncer justement un surmenage de personnel, et donc on revendiquait l'arrivée de quelqu'un d'autre pour décharger ce travail-là. Eh bien, lui, il proposait de rajouter des heures à quelqu'un d'autre, donc finalement, de transférer le surménage de la personne A à le transférer à une personne B. Mais ça, donné, c'est très macroniste comme truc. Enfin, ce qui nous explique, c'est que Sarkozy nous expliquait qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Mais Macron nous explique qu'il faut travailler plus pour gagner pareil. Hein. En gros, c'est ça, pour conserver son boulot. Vous avez la chance de conserver votre boulot. Alors oui, voilà, les heures, si on les avait acceptées, et les heures qu'auraient été attribuées à une personne, lui auraient été évidemment payées. Mais pour nous, ça ne règle absolument pas le problème de fond, qui est le fait de dénoncer ce surmenage-là. Et on l'a dit et répété sur tous les tons,
enfin, de façon gentille, il n'y a pas eu de pas eu de souci. Il nous a écouté, respecté, il nous a jamais coupé la parole, etc. Il a eu le mérite de nous dire que qui pourrait rien faire, hein, vraisemblablement, à partir du moment où on exigeait des créations de postes. Il vous a écouté, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Mais il aurait pu ne pas le dire carrément, quoi, essayer de détourner la conversation. À la fin, il a vraiment fini par dire « bah non, je ne pourrais pas donner suite à vos revendications ». Donc en fait, c'est un problème structurel. La structure est faite de telle sorte qu'on ne peut pas répondre aux besoins. C'est ça. En gros. C'est vachement bien, si c'était comme ça. C'est un choix politique, hein, de toute façon, c'est évident. Quoi. Et moi, ce qui me dérange un peu dans cet univers lycée, très poli et tout, c'est que l'individu n'est pas du tout considéré, et je pense que le terme n'est pas trop fort. On est devenu, la plupart des salariés sont devenus des esclaves modernes. Mmh. C'est ça. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je voulais un tout petit peu parler de Blast. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent vraiment Blast. Donc, c'est sur Internet. Alors, c'est des gens qui font des reportages, qui font des enquêtes, qui font plein de choses. Ils ont besoin de sous pour survivre, donc ils demandent si on peut participer un peu, mais enfin, moi j'ai pu regarder gratuitement, hein. Alors, je pense que je vais donner un petit peu quelque chose quand même, parce que j'ai trouvé que c'était une grande qualité, et entre autres j'ai vu deux choses cette semaine qui m'ont interpellé. C'est la première, c'est un truc sur les médias, et donc c'est un reportage qui est fait sur les médias contre la rue et contre la démocratie, donc on est en période préélectorale, donc c'est vrai que ça peut intéresser beaucoup de gens. Allez voir les médias contre la rue et la démocratie sur Blast. Et donc, c'est mené par une association qui s'appelle Acrimed, dont tu avais des éléments, toi, Florent. Oui, alors cette association, elle a été fondée au lendemain des manifestations qui avaient été établies contre Juppé. 96. Ouais, c'est ça. Lorsque, justement, il y a eu une prise de conscience du fait que les médias, la façon de parler et de traiter les informations était complètement orientée, toujours dans le même sens, pour le faire très court, dans un sens plutôt libéral. Mmh. Et donc, des voix ont voulu, en quelque sorte, s'opposer à cette façon de faire, et du coup il y a eu cette association donc qui s'est montée. Alors au début il y avait des chercheurs, des journalistes, etc. Je suis obligé de te couper parce qu'il faut qu'on fasse court et on est au bout de l'heure. Et donc une autre chose que j'ai vue sur Blast, c'est une interview de Marc Andevelde et qui fait une enquête sur Emmanuel Macron et sa géopolitique, et il appelle ça la géopolitique du désastre. Et c'est absolument terrible. Je ne vais pas vous le détailler puisque j'ai plus le temps. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Voilà. À bientôt. À très bientôt.